Les ambitions des JO, c'est d'arriver au podium. Je vous dis, j'ai rencontré les meilleurs du monde, je suis aussi un meilleur du monde parce que dans le classement, je suis classé 9e mondial. Ce qui veut dire qu'eux-mêmes, ils ont peur de moi. Ce qui fait qu'en dehors du stage qu'ils peuvent me donner, je m'entraîne personnellement parce que j'ai des défis à relever. Je m'entraîne chaque jour, matin et soir, deux fois par jour. Ouais, bon, encore plein de difficultés. Bon, j'espère que d'ici peu, le gouvernement camerounais fera quelque chose pour que nous ayons en stage. Parce que je veux dire, bien, nous, je suis concentré, mais vous savez, nous sommes au quartier. Des tas de choses peuvent nous arriver. Hein, ce qui fait donc que je pleure au gouvernement camerounais de nous faire sortir de là. Le plus serait le mieux. Mes entraîneurs d'ici me donnent tout en fait. Je suis bien préparé. Je suis d'abord bien ici avec mes entraîneurs, mais le plus mieux serait que j'aille hors du pays. Quoi. Mes atouts sur le plan technique, c'est... Je bouge beaucoup parce que vous savez, mes entraîneurs sont des gars très costauds, des maisons. Et puis moi, on m'appelle toujours bébé des super lourds. Bon, ce qui fait que mes déplacements et mes jabs, je dirais de gauche. Mes dirais de gauche en fait. C'est ça mes points forts, mes déplacements. J'ai été médaillé de bronze en Inde au Commonwealth. J'ai été champion d'Afrique. J'ai été champion de la zone 3. J'ai eu la médaille d'argent. Dernièrement aux qualifications.